Déjà pour nous accueillir chez vous ici, donc à Paris, pour c'est très sympathique de votre part. Ce qu'on voudrait, c'est remémorer un petit peu le cadre des 120 ans donc, de notre association, qui sont les Bourges et Pays de Savoie à Paris, et également rappeler aussi les 80 ans des Savoyards du Monde qu'on va fêter cet été, donc début août. Et dans ce cadre-là, on a fait un petit sondage et votre nom à chaque fois est ressorti de manière très positive. Et donc, Ben c'est pour ça qu'on a insisté. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voudrait remémorer un petit peu avec vous toute votre enfance un petit peu et puis tout votre vécu que vous avez eu des Bourges. Surtout que moi j'ai un lien avec les Bourges du côté de la famille de mon père, les Dusseliers qui sont nés. Col de l'Échaud, oui, enfin ils ont habité au Col de l'Échaud, enfin ils habitent toujours d'ailleurs au Col de l'Échaud parce que c'est une grande ferme, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque et mon père avait 4 frères, le premier était prêtre, comme souvent c'était la tradition dans ces familles et puis ensuite les autres sont devenus paysans à l'Échaud et puis à Sur-les-Bois qui est du côté d'Annecy. Un autre est devenu commerçant, et puis mon père, lui, est descendu à la ville, c'est là qu'il a rencontré ma mère. Lui, il a voulu rentrer dans la fonction publique, et donc il est rentré à la trésorerie à Annecy, et il a rencontré ma mère, qui, elle, était une vraie citadine, issue d'une famille d'origine italienne, ça s'appelle Bozzetto, parce que elle a fait des recherches, et on a vu que c'était un aïeul avait suivi Napoléon. Et puis ses parents ont construit une petite maison sur la route du Col de l'Échaud, et où j'ai plaisir à retourner là maintenant de temps en temps. Mais je vais toujours voir la famille qui est au col avec mes cousins qui ont le même âge que moi et qui ont pris la succession de la ferme, donc de leur père, de leur grand-père maintenant. Enfin bref, donc c'est une. C'est une lignée comme ça qui suit la tradition. Mais pour moi, c'était un peu étrange parce que j'ai souvent été sensible à ça, parce que le déterminisme, ça joue beaucoup. Parce que si mon père n'était pas descendu à la ville, je serais peut-être avec eux en train de faire de l'élevage là-haut. Non, enfin, je me dis des choses comme ça parce que ça tient un peu de choses au destin de chacun. Et voilà. Après, j'ai retrouvé les Bourges, mais alors tout à fait par hasard, par le biais du cinéma. Oui, dans le film Mon petit voisin. Voilà, exactement. Ouais. Où Pascal Thomas, le metteur en scène, avait fait, quand il était jeune, il avait, je ne sais pas, été dans des institutions religieuses, je crois, dans la Haute-Savoie. Et il avait repéré les paysages, et tout d'un coup, il a eu envie d'adapter des romans d'Agatha Christie. Et j'étais vraiment cadre de était loin de penser qu'il y aurait des châteaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de châteaux en Haute-Savoie, donc on a tourné beaucoup à Aix-les-Bains sur un château qui donne sur le lac du Bourget. Voilà. Et puis aussi dans les Bauges surtout, où il y a des prairies magnifiques qui sont proches des paysages anglo-saxons. Et c'était tout à fait l'ambiance des livres d'Agatha Christie. Donc on a tourné ça avec Catherine Fro et c'était vraiment des bons souvenirs. Il y avait juste une petite erreur. Jamais il y a eu un train qui est passé dans les Bauges. Dans le film, en fait, il retrace le souvenir d'un château qu'elle avait vu sur le train. Avec une vue noire. Oui, c'est ça. Et en fait, c'était le château qui se trouve au bout du lac. Oui, c'est ça. Et j'ai une belle anecdote à ce sujet, parce que le château qui domine, je ne sais plus comment s'appelle le petit village, là, qui est le pic là, du lac du Bourget, il appartenait à l'époque à un baron qui avait du mal à entretenir ce château. Donc lui était toujours à droite, à gauche, pour essayer, je pense, de le vendre. D'ailleurs, il était vendu. Et il y avait un monsieur qui joue d'ailleurs dans les films, là, qui s'occupait du château,
des fleurs, de la végétation, et donc il était lui vraiment aux premières loges. C'est lui qui profitait vraiment tout le temps de ce point de vue magnifique sur le lac du Bourget. Et donc je lui disais, mais c'est vous le vrai baron, en fait, c'est vous qui profitez du paysage qui est là tout le temps. Et alors il me fait cette réponse. Oui, oh non, c'est bien. Bon, il y a le train qui passe de temps en temps, mais on ne peut pas tout avoir. Donc c'est drôle. Mais moi, j'aime bien ce passage quand on arrive de Paris, quand on longe le lac, là, il y a toujours... Magnifique. C'est magnifique. Oui, c'est la rentrée vraiment dans le... Là, ça y est, on arrive chez nous. Longer le lac. Ouais. Et alors moi, j'ai ces souvenirs, comme ça, en regardant le château, là, au bout du lac du Bourget, je revois toutes les scènes qu'on a tournées, dans la cour même, dans le château même. Et ce lac du Bourget, c'est vrai, parce qu'il y a une grande différence entre le lac d'Annecy et les Annéciens, parce que c'est ce qu'on dit aussi, hein, c'est-à-dire que... Il y a l'anecdote concernant, je ne sais plus ce que je voulais dire à propos du lac du Bourget. Si, le lac du Bourget, moi j'ai vraiment la différence entre Annecy et... Ah oui, parce que le lac du Bourget, il est magnifique, il est sauvage, c'est-à-dire que la montagne tombe directement dans le lac, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, il y a l'abbaye, et il y a, je n'ai jamais fait, j'ai honte de le dire, mais il paraît qu'il y a une magnifique balade depuis le lac du Bourget, en remontant au bout du lac, une sorte de, comment dire, de bras, comme ça, par un fleuve, par bateau, et on peut remonter assez loin. Je crois que c'est assez beau quand on pénètre dans les terres. Oui, parce qu'en plus, on va le faire cet été, nous, donc les Savoyards du Monde, puisque le dimanche, il y a une balade qui va être sur le lac. D'accord. On va remonter le canal de Savière, donc qui va se jeter dans le Rhône. D'ailleurs, c'est une particularité du canal de Savière, c'est qu'il peut aller dans un sens et dans l'autre, parce qu'en fonction du niveau du Rhône, c'est soit le Rhône qui se déverse dans le lac et qui fait monter, soit s'il est en plus bas, c'est le lac qui se déverse. Il y a des tas de choses à découvrir, vraiment. Mais là-bas, c'est sympathique. Mais je suis allé au lycée de Saint-Jean. Comment vous avez vécu cette arrivée? Parce que nous, on parle de double culture. On parle de culture parisienne et de culture savoyarde. Et vous, il y a vraiment ces deux vies différentes. Quand on se rend compte qu'on en parle, c'est deux vies différentes. Ouais, complètement. On a besoin de se ressourcer aussi d'aller en Savoie pour retrouver les montagnes, le calme, l'apaisement quelque part. Ah ben c'est très simple. Ça aussi. C'est très simple. Quand vous arrivez, je me suis toujours pas fait à la vie trépidante parisienne, mais quand vous arrivez de province à Paris et que vous voyez en descendant du train à quelle vitesse les gens marchent dans la rue pour aller au métro, c'est fou, quoi. Et quand vous revenez, quand je reviens en province maintenant et que j'attends 10 minutes pour avoir une baguette de pain, c'est pas possible. On pas plus vite. Mais l'avantage et le privilège, c'est de pouvoir faire les deux, quoi. Oui. D'être l'homme de la campagne et l'homme de la ville, enfin, c'est de pouvoir vivre les deux choses, ça c'est formidable. Parce que même si vivre en province aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu moi, mais même si j'ai eu des chances, c'est formidable, mais il y a beaucoup de... Ça, tout s'est développé, la vie culturelle, la vie... Ça s'est enrichi. Il y a beaucoup de choses qui sont... Vous avez vécu cette arrivée, parce que nous on parle de double culture, on parle de culture parisienne et de culture. Et au-delà de Paris, maintenant on voit que nos jeunes ils partent aussi dans le monde entier, parce qu'on a des antennes donc à Singapour, au Québec, aux Émirats Arabes Unis, avec Laurent, le président. Je veux dire, aujourd'hui, comment vous voyez ça, vous, cette forme d'internalisation, je veux dire, des Savoyards? Est-ce que c'est le juste prolongement, quelque part, des gens qui montent à Paris? C'est ce qui arrive aux jeunes générations, c'est une chance, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus tellement de frontières, c'est assez heureux, tout est facile, quoi, la communication, l'accès, le voyage, le passage des échanges, il y a beaucoup de jeunes, en effet, qui vont, je sais pas, en Australie, le monde est petit, et c'est pas mal, parce que ça ouvre des perspectives professionnelles formidables aussi. Non, c'est l'échange, on y gagne toujours à aller dans un pays étranger, à apprendre une autre culture, à adopter des choses qui sont très bonnes, ou à apporter des choses de son pays qui sont bonnes aussi. Voilà, et ces échanges-là sont très bénéfiques pour tout le monde. Donc, c'est formidable. Après, ça va tellement vite qu'il ne faut pas se perdre en route. Il ne faut pas s'émietter. Nous allons enfin fêter le rassemblement des Savoyards du Monde aux Aillons.
et le message qu'on pourrait faire passer à l'ensemble des Savoyards qui seront là-bas, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on peut faire passer? Oui, de souhaiter un bon anniversaire déjà à l'association, parce que c'était, j'ai vu ça dans les articles de l'association, c'est qu'au départ elle a été créée vraiment pour aider les Savoyards du monde entier, qui étaient démunis, qui n'avaient pas, mais ça remonte à 1898, hein, et puis maintenant c'est une possibilité de liaison, de rencontre, et c'est toujours bénéfique, et puis c'est beau de faire des Vosges la capitale du monde entier, enfin, des Savoyards du monde entier. Donc c'est une possibilité pour eux de se retrouver dans un endroit où ils vont toujours faire découvrir. Oui, au Voyons, les Savoyards. Aux Allons, en plus, il y a la salle de l'Europe qui vient d'être entièrement refaite, donc qui peut accueillir. Et qui se trouve en descendant. Au pied des pistes, tout à fait. Au pied des pistes de d'Allons le Jeune, d'Allons Station. Il y a des tas de choses toujours à découvrir que je ne connais pas encore bien. C'est affreux parce que quelquefois on est. Il y a la plus grande tyrolienne d'Europe, je crois, en temps de descente. Ah oui, 2 heures, il me semble. Ah oui, mais ça me donne envie d'y aller. Et au mois d'août, on pourra pratiquer. Oui, parce qu'on monte en téléski. On monte en télésiège, et puis on redescend à travers les arbres où on. Alors, on a des tyroliennes, et puis après, on monte, on descend, on a des petits parcours qui Ça va être un anniversaire très joyeux. Oui, je pense. Voilà. Ben, merci encore pour votre rencontre, c'était très sympathique. Merci, au revoir. C'était très sympathique de votre part. Au revoir. Au revoir.